Pacifique qui rive la CAO, bienvenue dans une nouvelle édition SILA. Assemblée députée a voté mardi soir projet budget république là pour exercice 2017-2018 là qui est évalué à 144 milliards gouttes. 74 députés votés pour, aucun pas voté contre alors que 6 fait abstention. Ministre haïtien affaires étrangères et ministre haïtien qui vivent à l'étranger dans le pays Canada depuis mardi, dans l'idée pour rencontrer autorités canadiennes sur dossier réfugiés haïtiens qui a sorti États-Unis. Plusieurs associations journalistes et patrons médias tant que ANMH, AJH et AMIH condamnaient menace la mort magistrat ville Okaïla Gabriel Fortuné fait compte un journaliste dans ville Okaï en direct sous les ondes. C'est dans fin mois d'août ça, travail réhabilitation aéroport international Toussaint Louverture yo qui commencé 10 juin passé à Tadoué Bout. Plusieurs nouveaux espaces pral disponibles pour confort voyager yo d'après responsable aéroport qui voulait tout voyer une image positive à l'étranger. C'est tout point ça on a pour nous développer pour rester branché n'a tourner. Messieurs, dames, mes journal là en détail. Alors que quantité haïtien qui a demandé asile dans le pays Canada, mais qui sorti États-Unis par suspend augmenté, ministre haïtien affaires étrangères Antonio Rodrigue et puis ministre haïtien qui vivent à l'étranger Stéphanie Auguste débarqué dans Montréal hier mardi à côté magistrat Denis Corder recevoir. Dans une rencontre avec la presse, chef diplomatie haïtien a déclaré non pas boy site pour nous porter soutien moral nos compatriotes yo et puis tout pour nous témoigner gratitude nous bail gouvernement fédéral et provincial yo mairie Montréal là ensemble avec tout canadien yo pour solidarité sans pareil yo montré. En suivant un extrait dans déclaration ministre Rodrigue dans micro correspondant nous en Montréal Erwil Gaspard. C'est d'abord pour apporter toute notre solidarité, la solidarité du gouvernement et du peuple haïtien à nos frères et sœurs qui sont ici, qui sont arrivés ici, dans les conditions que vous savez, également pour leur apporter bon, cette solidarité et montrer que nous sommes sensibles à leur situation, évaluer leurs besoins, connaître ce qu'ils ont, dans quelles conditions ils se trouvent, et puis tout ce dont ils ont besoin. Également remercier le gouvernement canadien pour ce qu'il a fait, l'accueil qu'il a donné à ces gens-là, hébergement et tout, et exprimer notre gratitude, la gratitude du gouvernement haïtien, du pays tout entier, et faire discuter avec eux sur le futur de ces gens qui se trouvent ici. Dans ce sens-là, nous avons rencontré et le maire de Montréal aujourd'hui, j'ai parlé également à la ministre de l'immigration. Correspondant radio à Télé-Pacifique dans Montréal, Erwil Gaspard, déclaré des ministres haïtiens ont fait déplacement dans le pays Canada sans yo pas maîtriser situation côté plan yo gen nan men yo a pas gen rien concret sur urgence qui gen nan moment. Erwil Gaspard démenti tout quantité chiffre ministre Antonio Rodrigue et Stéphanie Auguste bay sous migrants qui enregistré dans le pays Canada sorti janvier pour arriver mois d'août 2017 là. Monsieur Gaspard fait qu'on est environ 2500 moun ministres évoqués en concerné seulement moi j'y ai qui saute passé là côté environ 64% parmi eux c'est haïtien. Mais c'est Gaspard indiqué pour commencement mois d'août là seulement gain 1200 monde qui rentrer. Collaborateur nous Erwil Gaspard t'a répondre question Jean Fouchard d'Angers dans journal 7 matin sur Radio Pacifique. Information ça est erronée donc il faut chiffre 2500 environ 2500 monde qui rentre seulement c'est qui rentre qui ont parlé de l'INA et conférence de presse que ministre Rodrigue et aussi ministre Stéphanie Auguste Baila, qui concernait uniquement les gens qui rentraient dans le mois de juillet et non les gens qui rentraient de janvier à août. Donc, j'en ai dit dans le précédent circuit que nous avons fait sur Radio. Donc, nous décantons l'information en trois périodes, de janvier à juin. Pour le mois de juillet, donc il y a plus de 2500 personnes. Et pour les trois premiers jours du mois d'août, il y a déjà 1200 personnes. Mais ce qu'il faut retenir l'attention, c'est de 2500 personnes qui rentrent dans le mois de juillet, il y a environ 64% là-dedans qui sont haïtiens. Okay. Donc c'est là, on dit que la majorité des personnes qui sont dans la situation, ça, c'est
monde qui sorti et États-Unis, mais c'est beaucoup plus plus jeune compatriote pour eux. C'est même pas ambassade là pas au courant de quantité monde qui rentre, mais c'est yon et nous pas capable dire que malheureusement nous pas gain contrôle situation hein, et compte tenu et si n'a suivre si nous peut suivre déclaration ministre mm-hmm. Donc à une question posée par un journaliste, il a eu à répondre que yo pas aux États-Unis. Je dis hein, c'est parce que à travers les réseaux sociaux, on se rend compte que la situation est beaucoup plus alarmante au Canada. Cela dit que, est-ce que nous faisons une diplomatie à travers les réseaux sociaux ou nos missions diplomatiques travaillent et donnent des informations à part au prince aujourd'hui? L'autre point d'actualité dans le journal ça, Assemblée des députés ont voté mardi soir projet budget république là pour exercice 2017-2018 là qui évalué à 144 milliards goudes. Sur 81 députés qui étaient participés dans séance là, 74 voté pour, aucun pas voté contre, 6 fait abstention, président pas qu'à voter. Président commission finance chambre député a Yvon Gesté t'a annoncé t'a gain changement léger qui t'a fait dans document initial là, ministre finance santé déposé 30 juin passé. Non, chambre non. Éducation et travaux publics, c'est des domaines qui gagnent priorité dans budget ça. Plusieurs associations journalistes et patrons médias tant que ANMH, AMIH, AJH et section haïtien Union Presse francophone condamné menace la mort magistrat ville au Kaila. Gabriel Fortuné fait compte un journaliste dans ville au Kaila, Jean-Nazaire Gentil, en direct sous les ondes. Dans une note pour la presse, président association nationale médias haïtien yo dit li gen gros qui a sauté devant silence autorité yo face à qui un dossier comme ça. Jean-Nazaire Gentil voyait une invitation à la justice by magistrat Fortuné pour menace verbale l'an mot yé madia. L'autre dossier, travail réhabilitation yo, abra poursuivre nan aéroport international Toussaint Louverture lan. Projet sa qui te commencé 10 juin passé a ta de fini nan mois d'août sa. Gé amélioration qui fait nan stricti pour accueillir passagers yo nan aéroport. Responsable autorité aéroportier national yo qui t'a parlé à qui yon équipe radio télépacifique fait qu'on est initiative sa a permettre yo changer image Haïti l'autre bodlo et puis faire promotion pour touristes nan pays a. Yon reportage avec Jean-Marc Sondorsi. C'est Eric Guernoël. Il fait midi, plusieurs boss, charpente et maçon ont travaillé sous chantier aéroport international Toussaint Louverture. Côté travail, réhabilitation, yo après possible. Travail ça yo qui t'est commencé depuis environ des mois et qui t'a dû finir dans le mois d'août là, a permis de voyager yo pas mouiller les gains la pli. Gain en l'autre salle qui construit pour recevoir voyager yo et puis gain un espace cap bien préparé pour pilote yo capable reposer yo d'après explication directeur planification ingénierie autorité aéroportière nationale là ingénieur Yves Mozart Augustin. Dans cadre améliorer service que n'a bail à voyageur yo pour protéger yo contre la pluie, vent et soleil, gain un travail de couverture en sorte de canopie qui a fait actuellement qui pourra permettre que en tout temps, en toutes conditions météorologiques, que voyageurs yo capable débarquer pour aller et prendre avion yo. Yon l'autre salle, une nouvelle salle de départ qui pourra permettre nous augmenter capacité d'accueil passagers yo pour yo al prendre avion yo. Grand pile plein qui t'est gagné au niveau de par exemple toilettes et en dedans aéroport. Donc après une réhabilitation complète qui fait changement de tout équipement sanitaire et fait en sorte que service là baille et de façon noble. Là yo fini à travail pour réhabiliter les portes Toussaint Louverture, responsable AN yo gen projet pour yo construire un autre tout neuf pour agent service pompier qui affecté dans l'aéroport international Toussaint Louverture. D'après ingénieur Yves Mozart Augustin, il y a un travail de réhabilitation qui prévoit pour faire tout dans le local aéroport Jérémie, pas trop longtemps. Aéroport de Jérémie, côté nous prêt à aller regarder l'infrastructure là complètement, partant de piste là, clôture et yon terminal qui rap desservi trafic domestique là confortablement. D'autres projets que nous gagnons réaliser sous peu, c'est réhabilitation bâtiment corps des pompiers. D'après ingénieur Yves Mozart Augustin, renforcement strict ça yo capable contribuer dans dynamiser secteur touriste là en Haïti et puis lever scamp figi pays à l'autre bord de l'eau. Nous gagnons un nouveau bureau piste que nous construit. Li pral faciliter pilote yo
en attente pour yo retourner vers pays côté yo té sorti hein, pour yo en sorte de salon qui a permettre que yo tann et fait horaire volio. Plusieurs voyageurs et monde qui habitaient dans zone porte internationale Toussaint Louverture qui pas voulu voir yo enregistré salier décision ça gouvernement prend pour faire travail ça yo. Commission Travaux publics, Transport et Communication Sénat République là rencontré mardi ministre TPTCA ingénieur Fritz Kayo qui te gen ak li directeur général bureau Minlan Ludner Remare ak responsable direction nationale de l'eau potable ak assainissement Guito Edouard sous question station sismique yo qui pas fonctionné depuis yon l'année dans pays. Président commission Richard Hervé Lénine Faucan déclaré li pa acceptable pour stricti sa yo pa marché alors que yo c'est un élément clé non j'ai faut qu'a fait pour permettre pays a fait face à zafè tremblement terre. Parlementaire a te profité parler tout sous accès à l'eau qui pa gagne en pile côté non pays. Déclaration sénateur Faucan non micro Edlen Vernal ak France Sineus. Déjà dit nous que li pa gagne cob et pa gagne moyen même pour le payer internet ou privé. Qui vini qui paye $3,342 pour internet natcom pour te ka contrôler bagage sismique ça. Même une des choses on prend à cœur en pile, c'est parce que nous gen 5 stations sismiques et c'est au grain seulement que marche dans Juvena. Et bah ça te vraiment kembe ma cœur parce que si nous gon tremblement de terre, si gon fait k'ap préparer là, nous pas jamais ka konnen rien du tout de ça quoi le fait. Il semblerait que vous mettez 7 millions, qu'on aime pas vraiment pile pour ça, vous mettez 7 millions dans 2017-2018 dans pour lui. Et que le promet moi que à partir de ça que le bral essayer garder ça capable faire pour le déca ranger toute station ça me pas connait si 7 millions a passé pour ranger toute l'autre station. Mais il dit que Jean Dimlan ça veut dire que il a passé et que il a bien moyen pour lâcher même pièce de rechange pour si bagaille ça en panne encore pour le caranger. L'homme pas qu'à vivre sans de l'eau. Pour moi bon Dieu c'est premier bail il crée avant de créer l'homme, il crée de l'eau. Et me pas pour qui ça nous pas qu'à penser que de l'eau sont bien important, nous prendre nous minimiser et nous pas gagne droit minimiser de l'eau parce que c'est de l'eau qui permet nous vivre depuis pas bon verre de l'eau pour journée nous mettre tout à coucher. Nous t'ai rencontré avec toute entité qui était écapé de Dinepa parce que budget Dinepa c'est 2% seulement dans budget Dinepa que l'État courir là. Bon côté par le ministre travaux publics transport et communication Fritz Kayo expliquer ces problèmes l'argent qui la cause station sismique pas fonctionné dans pays. Responsable a dit souhaiter TPTC va joindre moyen pour prochain budget pour capable remplir mission comme ça doit. Fritz Kayo. Nous connaissons le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Il n'y a pas qu'à inviter nous, en tant que membres du gouvernement, pour ne pas répondre à l'invitation. Et comme de fait, et à chaque fois que la Chambre invite, en tant que membre du gouvernement, je fais mon devoir pour me présenter. La question a été déroulée dans 3 secteurs, 2 secteurs. Nous gagnons le secteur eau potable qui accompagne nous. Ensuite, nous gagnons le bureau des mines qui était avec nous là. Et le bureau des mines, il vient là, il a parlé de 5 stations et sismiques que nous gagnons. Assemblée des députés a voté mardi proposition loi député Cavaillon Wenchel Olivier concernant avantage social l'état doit bailler parents policiers qui victimes dans cadre travail. Chambre députés a bien pour voter document ça qui gain 6 chapitres dans Sénat République là qui a bien pour voter ou bien rejeter. Ensuite déclaration Clovis Robas. Monde qui héritier policier après policier au fin mourir notamment et des policiers qui partent en contrariété avec la justice, qui partent en contrariété avec l'institution abservia, qui tapent fonctionner de manière régulière et puis qui arrivent mourir pendant ou en fonction. Eh bien, après policier ça au fin mourir, ouais madame policier ça yo, petite policier ça yo, des fois mon ça vient tourner soit des mendiants ou bien madame policier vient tourner des prostituées pour qui ça? Parce que gain des madame policier pendant eux même à chercher pour yo tab joine accompagnement institution mari yo tab travail madame sa yo n'a fait monter descendre dans direction générale ou bien dans inspection générale ou bien dans ces directions qui concernaient. Donc texte ça c'est un texte qui intitulé proposition de loi et donnant des avantages sociaux aux ayants droit des policiers victimes dans leur fonction dans l'exercice de leur fonction. C'est une loi qui gagne seulement 10 articles, il pas gagne un paquet de bagages parce que
loi sur la police déjà, c'est une simple spécificité. Et spécificité ça même te quand même fait partie d'une rubrique dans la loi sur la police. Mais li, nous et collègue a venu avec son forme de proposition de loi, eh bien nous travaillons sur lui. C'est pas un texte volumineux. Actuellement là, nous connaissons depuis loi sorti dans la chambre députée, si chambre si c'est sénat qui vote, laisse ça pas transférer le bail chambre députée, a gagne une procédure pour ça fait, mais c'est chambre députée qui a qui fin vote, il va transférer bail sénat pour sénat lui-même soit voter avec modification bien dans les mêmes termes. C'était un plaisir pour Télépacifique informé, c'est là nous mettons en bout dans journal là, restez branché Télépacifique pour reste programmation.